Ici, Yuri, qui va interviewer Yuri. C'est vraiment la première fois que j'ai réussi à faire ça avec un autre Yuri. Comment tu as trouvé ton expérience aujourd'hui? Honnêtement, super belle journée. Merci à Jake, Julien pour l'accueil. On a appris plusieurs choses. Moi, j'ai bien aimé travailler différentes courbes de force aussi. Comment le biceps, triceps travaillent différemment. Différents angles. Exactement. Tout, hein? Non, vraiment. Puis rencontrer Yuri, honnêtement. Yuri de OD, c'est Yuri, c'est incroyable. Puis Yuri de Repentigny. Hello vlog, donc ce matin, on donne un muscle camp, moi puis Julien, 13e édition, donc on a commencé ça, je sais pas, un an et demi peut-être, puis ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas fait, parce que, ben les deux, c'est dur des fois de se mettre un dimanche qu'on fait ça, donc là, ça, 13e édition, aujourd'hui on fait des bras, toujours le fun, donc ça, les muscle camps, c'est, dans le fond, on a un peu de théorie le matin, on regarde l'exécution d'exercices, couple de principes, comment bien recruter les muscles, et là, ben, on fait le workout, donc c'est ça, premier workout de la journée. On a un dîner fourni par Fit Menu, notre logo. Et après ça, une autre portion de théorie, une autre portion d'exécution et un autre workout. Après ça, question-réponse. Puis après ça, on a Julien fait tirer des suppléments Believe, fait tirer une couple d'autres affaires. Donc c'est ça. Super belle journée, c'est toujours le fun. Et le corps veut jamais, veut toujours se protéger si on veut, puis il va toujours trouver une façon plus facile de le faire. Fait que, aussitôt qu'il y a trop de tension, il va shifter vers un autre muscle. Okay, fait que là, premièrement, on va aligner le coude en ligne avec le poulie. Là, tu spins déjà à base, tu contractes ça, serre ça, là, vas-y, tranquillement, squeeze. Prends juste au bicep, serre ça, écrase mes doigts plus fort. Supine au maximum, va porter ton petit doigt vers ton pouce. Là, tu reviens tranquillement, garde la tension sur ton bicep. Okay, là, on repart, contracte, serre ton bicep, là, vas-y, tranquillement, juste le bicep. Cool, squeeze. Mais règle générale, c'est le même mouvement. Tu comprends? Fait que quelqu'un qui fait du easy bar, encore là, c'est quoi qui change? C'est que t'es en pronation ou t'es en prise neutre. T'as juste, on s'entend, là, il n'y a pas grande amplitude de plus, il y a une petite affaire de plus. C'est ça, c'est la même affaire. Sauf qu'il y a du monde, comme Julien, jamais je vais lui mettre du easy bar. Les coudes, ils vont lui lâcher. Tu sais, un dumbbell, même si c'est pas un fait d'un bras à la fois, c'est considéré comme un exercice unilatéral. Pas à 100%, mais ça reste que tu vas travailler un bras à fois aussi, comme un dumbbell press, couché. Fait que tu égalises un petit peu, tandis que les easy bar, tu peux compenser. Ce que je veux, c'est initier avec la muscle visée. Sans bouger, tu vas créer de la tension, contracte tes triceps le plus fort possible, serre, juste au look, on le voit. Là. Fait que là, il y a déjà une tension grande sur tes triceps, vas-y. Là, tranquillement, squeeze. Là, à la fin, là, ce que je veux qu'ils pensent, c'est
son origine et son insertion est ici. Fait que son triceps s'attache de là à là. Va serrer ces deux points-là ensemble. Serre ça le plus fort que tu peux. Puis là, tu reviens tranquillement. Puis garde la tension sur ton triceps en revenant. Fait que sans relâcher la tension, crée de la tension dans ton triceps. Squeeze hard à la fin. OK? Comme ça, il n'y a pas une seconde que son triceps n'est pas activé quand il fait son tricep. Parce que si, vas-y un peu en soulignant. OK? Combien que de secondes de tension finalement? Là, il est quand même pas si pire. Là. Mais si tu le laisses aller. Si tu laisses. Tu sais, s'il fait ça, puis il va se soigner à la fin. Ça, c'est bon. Ça, c'est un Fait que là, son coude, il pointe par là, OK? Right? Vous êtes d'accord avec moi que son coude pointe par là? Mais la tension, elle vient de là. C'est-à-dire, est-ce qu'il va avoir une tension maximale sur le triceps? Non. Ce que je veux, c'est exactement. Là, il est aligné le coude direct avec la poulie. Et l'angle du tronc, OK? L'angle du tronc, ça va changer la courbe de force qu'on va voir tantôt, mais comme plus comme ça, tu vas travailler dans le milieu du mouvement. Puis quand tu es debout complètement, tu vas travailler vraiment à la fin du mouvement. Mouvement des avant-bras. Et quelqu'un qui curl, puis à la fin, il fait toujours ça, c'est que là, il va s'aider avec l'avant-bras. Okay? Il y a une variante qui est intéressante, c'est que tu curl de même, puis tu descends comme ça. Tu surcharges le biceps. T'sais, tu t'aides, dans le fond, c'est que tu montes à deux muscles, tu t'aides avec ton avant-bras, tu redescends juste avec le biceps. Ça veut dire que quand je suis penché, mon 90 arrive là. Fait qu'on s'entend que si je me mets droit, il est plus à même endroit au niveau de ma flexion du coude. Il est vraiment plus au top. Mais si c'est une poulie, ta force devient la poulie. C'est ça, comme là, tout à l'heure, on était là. Mais la tension venait comme ça. Ça veut dire mon 90, il était là. Comprends? C'est plus la gravité qu'on regarde. C'est ça. All right, Muscle Camp fini, c'était vraiment le fun, il y avait bien du monde, il y avait du monde de Quaticook, il y avait deux gars de l'Abitibi qui étaient descendus pour ça, donc c'est vraiment cool qu'il y ait du monde qui font des longues routes pour venir nous voir, donc super apprécié, merci à tout le monde d'avoir été là. Et prochain Muscle Camp, ça va être à l'entour du mois d'avril-mai, c'est pas encore décidé. Regardez toujours sur la page Facebook, ça va être posté là, sur Instagram aussi. Et je vous laisse avec quelques petits testimonials qu'on s'est fait petit testimonial en français. Fait que je vous laisse une couple de témoignages qu'on a eu du monde qui sont venus faire les Muscle Camp. Donc, à la prochaine, soyez bons, bonne semaine, bonne journée. Hein? Je m'en vais chez nous. Bon, Jean-Philippe, en fait, j'ai trippé sur ma journée. On a appris sur la biomécanique de nos bras, c'était super cool. Belle petite pompe en plus, ça se rend toujours bien. C'est que journée avec les gars aujourd'hui, je regrette vraiment pas d'avoir fait 6 heures de route. Jake, un expert, Julien. Super motivant, toute l'équipe, un bon momentum. What's up tout le monde, je m'appelle David, j'ai 26 ans, je viens de Rosemère. Je suis un des participants ici à Quantum Training aujourd'hui. On a fait des bras, donc c'est toujours agréable de s'entraîner avec Jacob puis Julien parce qu'ils nous poussent à fond pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Moi, c'est Alexandra, j'ai 24 ans, je viens de Rosemère. C'est mon premier muscle camp, puis honnêtement, je vais revenir, c'est sûr. On nous pousse à fond. Jacob puis Julien, c'est des super bons trainers. Moi, je vous le conseille pour les prochaines fois. Ici, Yuri, qui va interviewer Yuri. C'est vraiment la première fois que j'ai réussi à faire ça avec un autre Yuri. Comment t'as trouvé ton expérience aujourd'hui? Honnêtement, super belle journée. Merci à Jake, Julien pour l'accueil. On a appris plusieurs choses. Moi, j'ai bien aimé travailler différentes courbes de force aussi, comment le bicep, tricep travaillent différemment. Différents angles. Exactement. Tout, hein? Non, vraiment. Puis rencontrer Yuri, honnêtement. C'est Yuri de OD, c'est Yuri, c'est incroyable. Puis Yuri de... Repentigny. Ouais. C'est vraiment une belle expérience. Puis toi, Yuri? Ben, crime, garde, moi, je suis à grosse pompe, là. Ouais, c'est ouais. Non, mais pour vrai... Des bons biceps. Ils sont cachés par des tatous de Bali. Ah. Mais, tu sais, dans notre journée, on a pu apprendre justement les courbes de force, toute la biomécanique de tous les angles qu'on peut prendre. Sérieusement, les gars, c'est des experts dans ce qu'ils font. Je conseille vraiment d'aller les suivre, que ce soit Facebook, Instagram, quoi que ce soit. Vous avez beaucoup, beaucoup de contenu avec Quantum Academy Training. Jacob Hamel, très, très grand expert en biomécanique. C'est malade de voir aller les gars. Belle synergie entre les deux. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus pour une finale? Go Quantum!